c'est un problème fondamental en philosophie de distinguer dans notre vécu ce qui relève de la réalité et de l'illusion. C'est le principe même de la magie de vous conduire à une vision illogique d'une séquence en vous dissimulant certains éléments d'une séquence. Grâce au spectacle de magie, les magiciens arrivent à vous faire le distinguo entre les deux. Et je vous propose aujourd'hui une démonstration en couleur de qu'est-ce l'illusion ou la réalité. À tout de suite. Alors, réalité ou illusion? Je vais essayer avec vous d'illustrer tout ça avec deux cartes qui, elles, vont représenter la réalité. La réalité, c'est quoi? Ce sont mes deux valets noirs. D'accord? Regardez bien. Si les deux valets, je les frotte les uns contre les autres, au bout d'un moment, on pourrait croire qu'un as apparaît. Mais ça, ce n'est qu'une illusion. Regardez, je vais essayer de recommencer tout doucement. Et si on regarde bien, on pourrait croire qu'il y a un deuxième as. Mais ça, ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous, depuis le début, je vous ai parlé de quoi? Des deux valets noirs, n'est-ce pas? Le magicien crée l'illusion, vous le savez. Mais l'illusion peut aller plus loin. On pourrait vous faire croire qu'il apparaît ici, qu'il y a ici quatre as, n'est-ce pas? Moi, ce que je me propose, c'est de vous montrer qu'en réalité, ce que vous voyez, qu'un magicien vous montre, n'est que de l'illusion. Même si au cours d'un instant, on pourrait croire que c'est aussi la réalité. Regardez, vous les voyez ces quatre cartes? Eh bien, est-ce une illusion ou une réalité? Eh bien, regardez. Je pense qu'entre illusion et réalité en magie, eh bien, la barrière n'est pas loin. Car nous avons ici, eh bien, les quatre valets. Alors, illusion ou réalité? À vous de choisir.